Je vous le disais en début de journal, en exclusivité ce soir sur notre plateau, quelques instants seulement après son arrivée à Abidjan, je reçois pour vous, chez vous, la championne d'athlétisme Muriel Aoré, qui, je le rappelle, revient une fois de plus avec une médaille d'argent des championnats du monde de Sopot en Pologne. Muriel Aoré, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Abidjan. Vous venez à peine de descendre de l'avion, c'est bien cela? Oui, je viens juste Alors, d'arriver. Muriel, avec cette médaille au championnat de Sopot en Pologne, vous êtes maintenant à votre quatrième médaille d'argent. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente tout. Je voudrais d'abord, tout premièrement, pour ne pas oublier, remercier le président de la République et lui souhaiter une très bonne rétaliation et lui dire vraiment merci parce qu'il a pris. Il a tout fait pour moi et je le remercie vraiment. Et ma deuxième question, c'était quoi? Non, c'est de savoir comment Je suis Muriel se fatiguée. sent. Est-ce que Muriel visait par exemple l'or et est-ce qu'elle est déçue d'avoir eu l'argent par exemple? Ah, bien sûr, oui, bien sûr, je suis déçue, mais tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est ça, là, c'est la volonté de Dieu. Donc, je me suis entraînée très dur pour cette saison et j'étais en pleine forme et j'ai perdu la course dans les 3 derniers mètres. Mais je me remets au travail et je vais travailler sur ma technique encore. Et je pense que pour la saison de l'extérieur, ça sera super. Et qu'est-ce qui explique justement cette visite au lendemain de ces Jeux-là à Abidjan de Muriel? Juste pour venir remercier le peuple ivoirien, surtout pour tout le support et pour. Tous les messages et les prières, surtout pour les prières, et je veux leur demander de continuer de prier pour moi parce que c'est juste le début, je suis juste en début de carrière et il y a beaucoup de choses qui viennent. Muriel Aoré brille depuis un certain moment. Les sportifs ivoiriens se posent une question. Quels sont les projets de Muriel Aoré pour l'athlétisme ivoirien, par exemple? Les projets, c'est d'envoyer beaucoup. D'essayer d'agrandir quoi l'athlétisme en Côte d'Ivoire, surtout le sport, parce que le sport, ça fait du bien, surtout pour les jeunes et pour les enfants et pour tout le monde. Et aussi essayer d'envoyer d'autres personnes qui peuvent continuer le règne après que je quitte et pouvoir soulever le drapeau. Merci infiniment, Muriel Aoré, Merci. d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes honorés de vous avoir reçu sur ce plateau juste après que vous soyez arrivé dans la capitale économique ivoirienne. Merci. On termine.